Michel Polnareff, quel est à votre avis, ou quelles sont plus exactement à votre avis, les qualités essentielles et on peut dire indispensables pour un chanteur en 1967? Je crois qu'un chanteur en 1967, je crois pas de toute façon qu'il y ait de qualité spéciale pour un chanteur de 1967. Je pense que ce sont des règles qui sont générales. Je crois que quand un métier existe depuis longtemps, il y a des règles précises. Seulement les modes qui changent, mais les bases restent les mêmes. Je crois qu'un chanteur d'abord ne doit pas avoir une tête énorme, gonflée par le succès, et se balader du jour au lendemain en voiture américaine décapotable. Je crois qu'il doit avoir quelque chose de très important. Je crois que c'est le respect du public qui le fait exister. Je crois qu'on existe par le fait que le public existe. Et je crois qu'on n'a pas le droit justement de ne pas s'occuper de gens qui se dérangent pour venir vous voir, qui achètent vos disques, et un certain respect. Je crois qu'il faut aussi beaucoup travailler parce que je sais que moi, par exemple, j'ai fait de la musique depuis très très jeune. Et par exemple, la scène, il faut que je travaille beaucoup parce que du jour au lendemain, ça ne peut pas s'apprendre. Alors je travaille, je répète à longueur de journée de manière à avoir le même son sur scène que sur mes disques, et c'est très compliqué. D'autres qualités, je ne sais pas, je crois que c'est déjà qualités importantes. Je crois que c'est surtout chose indispensable à avoir. Quoi d'autre? Je crois que c'est peut-être pas nécessaire, mais je crois qu'on est très aidé en étant musicien soi-même, parce que je pense que ça permet de trouver ses propres arrangements, ça permet d'être libre soi-même et de ne pas compter sur les autres. C'est important d'avoir soi-même sa propre unité et de ne compter sur soi-même. Quel est maintenant le titre de la chanson que vous allez nous interpréter? Bien, c'est « Ta 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 ». C'est un aveu tourné à ma façon, mais tu n'y comprends rien.